Pose pas la question, on essaye de justement préparer le match de Montpellier depuis deux semaines maintenant. On y pense depuis le match contre Perpignan. C'est vrai qu'on est content de la première victoire à l'extérieur, mais on a un petit goût de amer entre guillemets parce qu'on n'a pas pris ce point de bonus qui nous aurait fait vraiment du bien. Donc on l'a pas mérité aussi. Donc c'est regrettable. Donc voilà, maintenant on est basé un peu sur Montpellier, sur notre jeu. Regarder ce qu'on fait de bien, parce que depuis quelques temps on joue un peu mieux, on se crée des occasions et on arrive à gagner. Donc preuve que quand on joue on est capable de faire de belles choses. Donc voilà, on s'est concentré sur notre jeu, sur notre attaque, sur notre défense pour préparer ce match. Déjà quand tu prépares les autres matchs, même si tu ne les joues pas, tu as tout l'info. Hein. Aujourd'hui avec les vidéos, tout ça, les analyses, tu as tout. Mais c'est vrai que aussi tu prends un peu de l'expérience sur ce qui a bien marché et sur ce qui n'a pas marché contre eux. C'est pour ça que tu regardes un peu les vidéos des matchs qu'on a joué déjà contre eux et tu essayes de voir qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut s'appuyer, et où qu'est-ce qu'on doit changer. Mais surtout, se focaliser sur nous, essayer de savoir que moi je joue une très très grosse équipe, moi je le pense, même si ils sont pas très bien classés, ils sont une très bonne équipe. Ils vont venir nous défier, ils vont venir, ça va piquer. Mais on sait qu'à Mayol, on se sent bien et j'espère qu'encore une fois, on revienne. Et si on peut en gêner, ça fait du bien à la tête. Par le passé, j'étais dans cette équipe où quand tu arrives à en gêner, tu sens que tu marches dans l'eau. Et si on peut arriver à faire ça et avoir un bel sprint final, ce serait pas mal. On a eu une bonne préparation, on a eu des vidéos, on a regardé les points faibles et puis ils sont physiques à l'avant. Donc on va bien être pris en défense et on va essayer de faire un bon match et être discipliné. Voilà, on a regardé les points faibles, les points forts et puis on va servir de ça pour essayer de faire un bon match et être discipliné et bien et être fort quoi.